tous et à toutes, et bienvenue sur ma chaîne. Alors, je continue l'évidence pour le mois de mars avec le signe des Capricornes. Donc, je souhaite la bienvenue aux personnes qui me découvrent. Je fais de gros bisous à mes abonnés. Merci pour vos messages. Merci, merci, merci. Gratitude à vous. Alors, je le dis, je fais des guidances privées. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous aurez évidemment toutes les coordonnées sous la vidéo. Likez, partagez, abonnez-vous. Mettez-moi un pouce, s'il vous plaît, sous la vidéo, de manière à ce qu'elle soit diffusée maximum par YouTube. Et puis on va attaquer, tout simplement. Allez, donc c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Donc, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, les amis, pour avoir un complément d'information ou une information tout simplement. Ok. Donc, l'oracle des énergies pour voir les énergies qui vous accompagnent. Le Béline avec la guidance, pardon, avec le Béline. Le complément avec l'oracle des miroirs. Et on termine avec trois cartes de l'oracle des esprits protecteurs pour un conseil. Allez, on y va. Pour vous, mes amis Capricorne, c'est parti. Capricorne. Je ne sais pas si j'ai dit Taureau ou Capricorne au départ, mais bon, c'est pour les Capricornes. Allez, mes amis Capricorne, s'il vous plaît, pour le mois de mars, quelle énergie, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Pour mes amis Capricorne. Allez, trois cartes pour les Capricornes. Donc, waouh, c'est un chakra, l'homme qui tient le cœur et la patience. Alors, mes amis, ici. Ici, on vous demande, donc il y a l'homme qui tient un cœur. Alors, ça peut vous représenter, évidemment, puisque c'est vos énergies. Donc, c'est des énergies qui démarrent aujourd'hui, hein, le 24 février, qui vont jusqu'à fin mars. Donc, vous êtes quelqu'un de cœur, d'accord? Vous fonctionnez avec votre cœur et votre intuition. Donc, ici, on vous demande, par rapport à une situation qu'on va développer après, de faire preuve de patience. Parce que je pense que vous êtes quand même impatient, donc par rapport à une situation. Mais votre intuition et votre cœur vous guident. Continuez à aller vers vos ressentis vraiment. C'est ce que nous parlent ces deux cartes ici. En faisant preuve de patience. Tout arrive. Ok? Ça peut être aussi dans le domaine sentimental, donc dans le domaine sentimental, vous, pour les célibataires, vous attendez peut-être l'amour. Encore une fois, on vous dit de suivre votre cœur et de suivre votre intuition. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un, mais vous n'êtes pas encore, voilà, vous ne connaissez pas suffisamment. On vous demande d'être patient. Ok, bon. En tout cas, c'est l'intuition et le cœur qui vont dominer, hein, et la patience. Allez, on y va avec le Béline. Pour vous, mes Capricornes. Et on parle bien sûr de tout domaine. C'est pas que le sentimental, le couple. Ça peut être sentimental, relationnel aussi, au niveau professionnel, par exemple. Ok. Allez. Les Capricornes, s'il vous plaît, pour ce mois de mars. Qu'avez-vous à nous dire, pour nos amis Capricornes, pour ce mois de mars 2022. Allez, on va faire une coupe. Beaucoup de communication, de discussion ici. Oui. Qui vont mettre fin à une situation. Hein. Qui vont mettre fin à une situation, des discussions concernant des négociations.
peut-être un déplacement. Ou alors vous allez être obligé de vous déplacer. Mais on vous demande de garder le cap aussi. Hein. En tout cas, il y a des négociations ici qui vont vous mener vers le bonheur et évidemment vers le changement. D'accord? Magnifique. Magnifique. On vous demande de garder le cap là. Très beau. Donc ici, il y a quelque chose qui est soudain. Hein. Des discussions peut-être soudaines, voilà, auxquelles vous ne vous attendez pas, qui vont vous faire énormément plaisir. Et qui vont amener peut-être des bonnes nouvelles aussi, qui vont faire qu'il y a quelque chose qui prend fin, qui est soudain, quoi. C'est des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, qui vont engendrer des discussions. Mais il y a du stress aussi quand même, hein. Bon, ça ne m'étonne pas. Qui vous stresse aussi, mais dans le bon, du bon côté, d'accord? Du bon côté. Et ça vous, c'est quelque chose d'inattendu, hein. Il y a vraiment quelque chose d'inattendu ici. Mais en tout cas, ça vous amène la paix. Waouh! Eh bien, mes amis, on part bien. C'est très beau. Hein. Encore une fois, de la communication. Je crois que le mois de mars, on est dans vraiment dans les énergies de communication. Allez, Capricorne. Mes amis Capricorne, s'il vous plaît. Pour le mois de mars, qu'avons-nous? Les plaisirs, les départs, les présents, waouh, la plus belle carte du jeu, le divin et la paix. Ah ben dis donc, mes amis, c'est magnifique. Ici, il y a un cadeau hein, de l'univers. Vous allez recevoir vous allez avoir une certaine reconnaissance avec cette carte. Alors, est-ce que ça va vous... Peut-être un déplacement, une mutation. Parce qu'il y a quand même la carte du départ. Mais ça peut être aussi la fin des blocages. Un sentiment de liberté, de revivre par rapport à des plaisirs, au plaisir. On reprend plaisir à la vie. On reprend plaisir à sortir. Voilà. En tout cas, vous avez la plus belle carte du jeu. Le divin vous accompagne. Et vous allez vers la paix. Waouh! Mes amis Capricorne, c'est très très beau. Hein. En tout cas, il y a des personnes aussi peut-être qui ont envie de partir ou qui attendent peut-être une mutation, ce genre de choses. En tout cas, c'est en votre faveur. On vous demande de faire preuve de sagesse, de patience ici. Hein. Ok? Ouais. La méchanceté pour moi, c'est pas... C'est pas la méchanceté dans le sens méchant, voilà. Pour moi, c'est un lien avec la picouse, vous voyez. D'accord. Donc du coup, vous retrouvez un peu cette liberté-là. Peut-être de voyager, hein, tout simplement. Hein. Ouais. Les blocages, c'est terminé, la roue tourne. On me dit, c'est la roue tourne. Vous avez une reconnaissance ici. Hein. C'est magnifique. Hein. Vous partez vraiment... à la découverte, waouh, vous avez les deux plus belles cartes en plus, la grâce de Dieu sur vous. Alors ici, vous allez pouvoir vous projeter, cette carte me parle de projection, vous allez pouvoir vous projeter, vous allez peut-être découvrir aussi des choses qui sont cachées. Mais c'est en votre faveur, hein. C'est pas quelque chose de néfaste. En tout cas, c'est très beau, hein. C'est très très beau. Waouh, ben mes Capricornes, vous me direz en commentaire, mais... Zut, c'est très positif. Ouais, la pyramide, l'élévation, regardez-moi ça, la stabilité. C'est très beau, la reconnaissance, encore une fois. On vous demande de faire preuve de patience. Vous allez être reconnu. Vous allez être reconnu. Oh, beaucoup de stress. Hein. Beaucoup de stress. On se détend, les amis. La passion, l'homme, évidemment, pour vous messieurs, ça peut vous concerner. Alors, c'est peut-être dans une relation vraiment passionnelle, d'accord? Passionnelle, donc ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi au niveau professionnel. Vous êtes tellement passionné, en fait, que ça vous crée du stress. Vous créez du stress pour rien. Il y a une reconnaissance ici qui arrive pour vous et vous allez vers, waouh, l'élévation. Et la stabilité.
la stabilité. En tout cas, vous avez les plus belles cartes du jeu ici. Hein. Vous avez une magnifique protection, vous êtes protégé par le divin. Cette carte bleue, c'est la chance, la réussite. C'est... Comment on dit ça? Le oui, peu importe les questions que vous vous posez. Bon, c'est la carte du divin, tout simplement. L'argent, il y a une rentrée d'argent ici, liée à votre reconnaissance. Donc c'est peut-être une reconnaissance hiérarchique. Donc c'est peut-être un changement de poste, un poste à responsabilité qui vont vous amener une augmentation, par exemple. Ou une démarche que vous avez faite. Bon, alors pour moi, il y a des personnes qui vont partir ici. Hein. Parce que j'ai la carte du départ, j'ai la carte du bateau. Donc peut-être des personnes qui vont être mutées, qui ont demandé à partir à une mutation par rapport à où ce changement de poste vous mène justement à cette mutation. Il y a beaucoup de... Cette carte ici... Alors, pour certaines personnes, est-ce que cette mutation va créer peut-être des conflits? Enfin, des conflits. Ouais, des petites querelles, on va dire, au niveau sentimental, qui vont, voilà, c'est des blessures de cœur. Bon, après, moi je pense que c'est plus vous. C'est un ressenti, c'est vous. C'est vous. Vous allez vers la réussite, les amis. Waouh, la chance, encore une fois. Il y a la réussite, il y a l'élévation, il y a la chance. C'est très beau. Hein. Ça, c'est avec la carte bleue. Pour moi, c'est vous, c'est émotionnel. C'est pour ça qu'on vous dit de garder le cap aussi. Hein. Je pense que vous allez peut-être recevoir une proposition de déplacement, de mutation. Alors, ça peut être une autre région, un autre département, une autre ville, ou peu importe. Mais en tout cas, ça vous crée quand même voilà, un petit conflit intérieur. Je veux dire petit. Parce que c'est pas quelque chose d'énorme. En plus, d'autant plus que, comme je vous dis, vous avez la carte bleue ici qui protège quand même. Mais on vous demande de suivre votre intuition et votre cœur ici. Hein. Ok. C'est très beau. Hein. Vous avez un beau tirage. Hein. Un très très beau tirage, les amis. C'est magique. Allez, on complète avec l'oracle des miroirs. Pour mes amis Capricorne, s'il vous plaît. Pour ce mois de mars. Pour mes amis Capricorne, waouh. Des bonnes nouvelles ici. Des nouvelles de... Peut-être aussi des nouvelles de vos enfants, hein, qui sait. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive ici au printemps. Il y a des nouvelles, des bonnes nouvelles ici. Ça va vous libérer au niveau du mental aussi, mes amis. Vous allez voir plus clair. Qu'est-ce qu'on a là? Oui, ça va. La fatalité. On coupe avec une situation. Il y a une situation peut-être délicate que vous vivez actuellement, mais qui prend fin. D'accord? Oui. Par rapport à ces bonnes nouvelles qui arrivent pour vous au printemps. L'examen. Alors, si vous avez passé un concours, si vous avez passé un concours, c'est la réussite. Hein. C'est la réussite. Cette carte représente la réussite. D'autant plus qu'ici, vous avez la chance. Il y a la chance qui vous sourit. Il y a une chance à saisir. Vous allez peut-être. Écoutez. Regardez-moi ces cartes. La plus belle carte du jeu, le miroir magique. Sur un contrat, c'est une chance à saisir. D'accord? Ce contrat est une chance à saisir. C'est magnifique, hein? Bon, écoutez, vous rentrez en période de chance, de toute façon, de Marseille. Quelque chose de très, très beau. Ça vous amène la joie, hein? Waouh! La situation est examinée aussi, peut-être. Non, c'est très beau. Allez, on va développer hein, avec ce tirage-là. La coupe. Allez, mes amis Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? Suivez votre intuition et votre cœur. Ayez un peu de patience. Une belle chose qui arrive.
la maison, la santé, l'évolution, le retard et le miroir magique. Wow. Alors vous allez, alors je vous le dis déjà, vous allez vers une magnifique évolution. Certes, ça a pris du retard, il y a une autre opportunité qui se représente à vous, mais vous allez vers une magnifique évolution qui va vous redonner, donc c'est le printemps, la carte de la santé redonne, vous parle de printemps, mais ça parle aussi de retrouver une certaine sérénité, une sérénité ici, alors au sein de l'entreprise ou au sein du foyer. En tout cas, vous avez encore la plus belle carte du jeu ici, hein, qui efface les cartes négatives qui pourraient éventuellement sortir. Parce que là, vous n'en avez pas. Hein. Vous n'en avez pas. Hein. Ouais. Les amis Capricorne. Encore la carte de la réussite. De l'instabilité, peut-être au niveau... Alors, vous avez peut-être fait des examens de santé ici, qui vous créent de l'instabilité. Mais je peux vous dire que, bon, il n'y a rien de... Ne vous inquiétez pas, c'est magnifique, une belle évolution, peut-être un désir d'enfant. Ici, il y a peut-être un désir d'enfant, et en fait, l'examen s'avère positif, les amis. Donc, il y a peut-être des annonces de grossesse ici aussi, hein. D'accord? Beaucoup de communication au sein du foyer, il y a des compromis, il va falloir trouver un compromis, et vous allez le trouver. Il y a des bonnes nouvelles qui vous permettent d'évoluer aussi. En tout cas, l'instabilité que vous pouviez ressentir, il y a une réussite ici. Donc, que ce soit professionnel, personnel, franchement, vous allez vers de belles choses. Vous allez vers de belles choses. Beaucoup de communication au sein du foyer, donc, qui peut concerner justement un déménagement, une obligation de déménager, on va dire, quelque part. Alors, soit par l'arrivée d'un bébé, soit par rapport à une proposition professionnelle. En tout cas, il y a de belles choses. Pour vous, messieurs, ou pour vous, mesdames, ça peut vous concerner à vous. Pour vous, messieurs, ça peut concerner une personne féminine autour de vous. Mais ça peut être aussi une... Voilà. Regardez, c'est magnifique. Vous êtes enfermé. Pour moi, c'est une énergie féminine. Ici, vous êtes enfermé dans une situation. Vous êtes sensible, de sensibilité, d'accord? Et c'est vraiment vous. Hein. Vous êtes enfermé dans une situation. Alors, c'est peut-être lié à une femme. Mais on vous demande de faire preuve de clairvoyance, de faire preuve de suivre votre intuition, n'est-ce pas? Parce que ça vous mène à la joie. Ça vous mène à la joie. Et c'est un cadeau. C'est un cadeau ici. Hein. Ouais, il y a une personne féminine. Ou alors c'est vous, mesdames. Hein, mais ça parle de vraiment une personnalité féminine ou une sensibilité féminine. Regardez, vous avez un choix à faire. Hein. Il y a un choix ici. Hein. Ouais. Je vois pour certaines personnes, en tout cas, ici, il y a un choix à faire par rapport à une réussite. Alors, peut-être que vous avez réussi un examen, un concours qui vous demande de partir. Donc, l'étranger, parce que j'ai la carte de la distance ici. L'étranger, pour moi, c'est ça peut être l'étranger, un pays, mais ça peut être aussi, comment on appelle ça, un autre département, une autre région. Voilà, en tout cas, vous allez recevoir certainement une proposition et vous allez avoir un choix à faire. Et les nouvelles arrivent, ça, c'est ce qui va vous permettre d'évoluer. Hein. D'évoluer. En tout cas, il y a des compromis qui vont être, ça va beaucoup discuter hein, au sein du foyer, ici, ou même au sein de vos collègues, hein, avec vos collègues. En tout cas, ça va, vous voyez, j'ai encore la carte de la distance. Pour moi, il y a des personnes qui vont se déplacer, voilà, tout simplement. Attention à la jalousie, d'accord? Mais cette carte, elle parle aussi de par rapport à la situation ici, qui se débloque, de tourner le dos au passé, d'accord? Ici. Et vous vous relevez d'un échec, hein,
d'une sensation d'échec, hein, parce que c'est pas un échec, j'ai une sensation d'échec. En tout cas, il va falloir examiner par rapport au foyer aussi. Il va falloir examiner, vous allez avoir un choix à faire. Pour moi, il y a des personnes qui vont déménager. Hein. Il y a des personnes qui vont déménager. En tout cas, il y a des compromis, il y a une distance, certaine distance aussi à prendre par rapport à une situation. Ce compromis va vous permettre en fait de prendre de la distance par rapport à une situation. C'est une sensation d'échec, quelque chose comme ça. Il y a peut-être quelque chose qui est une évolution, quelque chose qui est lié aussi avec les enfants au niveau professionnel. Parce que j'ai la santé, j'ai l'enfant, j'ai l'examen. Pour moi, il y a peut-être quelque chose aussi au niveau professionnel qui est lié à un travail avec les enfants, hein, proche de l'enfant en tout cas. Mais pas d'inquiétude, hein. Il y a des compromis ici, il y a de belles choses. Hein. Il y a de belles choses. Vraiment. Bon, je vais compléter. Je vais couvrir. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. En tout cas, je vois vraiment du mouvement. Il y a du mouvement là, hein, ce mois de mars. Hein. Alors, peut-être que c'est quelque chose que vous vivez déjà, mais vous allez vers la réussite. Enfin, vous avez la plus belle carte du jeu. Hein. Un choix à faire ici. Voilà, voilà. Vous voyez, la victoire. Il y a la victoire. On vous demande de... c'est vous qui vous trahissez là. Hein. Par rapport à ce choix que vous avez à faire. Suivez votre intuition, ne vous trahissez pas, suivez votre intuition. En tout cas, ça vous mène à la victoire et à la tranquillité ici. Il y a une rentrée d'argent et il y a un contrat. Et il y a un contrat. On acte quelque chose ici. Il y a quelque chose qui est acté. Une officialisation. Écoutez, vous avez un jeu magnifique, hein, les Capricornes. La victoire, la tranquillité, une rentrée d'argent. Donc la rentrée d'argent, ça peut être une demande de prêt, mais ça peut être aussi un nouveau contrat avec une augmentation, une prime, quelque chose comme ça. D'accord ? Un poste à responsabilité, vous voyez, c'est tout ce qui peut amener une rentrée d'argent supplémentaire. Ok ? Allez, on va voir un conseil pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît, pour ce mois de mars. En tout cas, peu importe vos projets, peu importe vos attentes, tout est positif, vous avez les plus belles parties du jeu. Hein. Donc, vous êtes accompagné, hein, mes amis. Vous êtes accompagné, vraiment. C'est magnifique. Allez. Capricorne pour ce mois de mars, s'il vous plaît. Allez, on va aller chercher. Parce qu'elles ont eu du mal. Ah. J'ai fait n'importe quoi là. Parce que j'ai fait. Allez, pour mes amis Capricorne, quel conseil avez-vous à leur donner pour ce mois de mars 2022? Merci, merci, merci. Mes amis Capricorne, qu'est-ce que nous avons gardé les pieds sur terre, les amis? Restez ancrés, d'accord? Soyez sans peur et tenez bon. Peu importe vos projets, n'ayez crainte, avancez, sans peur, d'accord? N'ayez pas peur de l'avenir, de belles choses qui arrivent. Et engrangez les récompenses, vous allez récolter ce que vous avez semé. Hein. Vraiment, hein. Vous allez récolter ce que vous avez semé. C'est magnifique. C'est un tirage magnifique. Alors, peu importe le projet, on vous demande de suivre votre cœur et vraiment de suivre aussi votre intuition, mais d'être un petit peu patient quand même. Et patiente, d'accord? En tout cas, il y a de belles choses qui arrivent. Gardez bien les pieds sur terre. Vous pouvez avancer sans peur. On vous demande d'avancer sans peur et surtout de tenir bon. Ça, c'est par rapport à la patience. D'accord? Et vous êtes en phase de guérison ici. Vous allez récolter ce que vous avez semé, les amis. C'est très, très beau. Hein, très, très beau. Voilà, mes amis. Bien, écoutez, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Likez, partagez, abonnez-vous. Moi, je vous retrouve pour peut-être un live ou d'autres guidances très prochainement. Et sur ce, je vous fais de gros bisous.